fameuse frange à idées. Je commence juste par appliquer les correcteurs sur l'ensemble de la paupière mobile pour l'unifier. L'arcade pour apporter de la lumière. Et j'attaque ensuite l'eyeliner. Donc pour pas vous louper, pour surtout pas faire tomber votre œil, il faut en fait suivre la ligne inférieure et imaginer que celle-ci elle continue. Et je vais faire juste mon petit point de repère. Et ensuite je peux aller directement au feutre. Donc je commence par vraiment toute la racine des cils. Une fois que j'ai fait ça, donc là je veux quand même faire un eyeliner assez, assez grand, assez large. Donc je monte assez haut ici et je vais rejoindre en fait, donc je pars dans l'autre sens. Voilà, donc là en général je le laisse sécher parce que la première couche elle fait toujours un peu transparent, je trouve que c'était pas assez noir. Je vais repasser en bas, je commence par poser en tapotant avec la broche, en faisant des petits zigzags. Ensuite, je prends la pointe et je frotte comme ça. Alors, je remets une petite couche de mascara. Plutôt, voilà, un petit mouvement de va-et-vient avec la pointe. À rassembler plusieurs cils ensemble pour que ça fasse une espèce de pâte, pâte d'araignée, comme on l'appelle. Voilà, on commence déjà à voir un petit peu le résultat. Là, on va laisser encore un petit peu sécher aussi. Et je vais rajouter des couches. En fait, c'est ça un peu le secret, c'est de laisser sécher pour avoir vraiment un peu cet effet paqué. Ajouter touche lumière, donc le Living Luminizer de Hermès que j'adore. C'est vraiment un chouchou. Donc juste sur le haut des pommettes. Juste mettre ça sur les lèvres. Sur chaque. Paquet de cils que j'ai fait, je vais mettre du mascara. Allez, je vais faire l'autre œil. Donc ça y est, les deux yeux sont faits. Je vais un petit peu plus.